plus beau spot de la planète, les gars, c'est ici. Le Belvédère, au-dessus du glacier d'Argentière. Vous voyez les séracs, là, de temps en temps, il y en a un qui se casse la gueule. Ça fait un boucan monstrueux. Les gens disent que c'est Dieu qui applaudit. Moi, je crois qu'ils ont un petit peu raison. Aujourd'hui, Harold Lopez Nussa, avec son frangin au perc et Michael Gonzalez à la trompette. Ils vont jouer complètement acoustique. Les gens sont en train de s'installer dans le plus beau théâtre du monde. Et moi, je vais faire un petit plongeon, là. Salut, regardez, regardez, regardez. 1, 2, 3. Well, I just think they're amazingly talented. My son's a jazz musician as well, and we're just blown away by it. And when the ice falls off the mountain, it's just like a snare drum. It's just brilliant. Et c'est vraiment sympa avec le Cosmo Jazz de pouvoir découvrir des artistes qu'on n'aurait vraiment pas l'occasion de voir autrement. Ils sont pas forcément connus, notamment en Europe, parce qu'ils viennent d'autres continents. Et c'est vrai que même quand on n'est pas forcément auteur de jazz, on est forcément emporté par le contact. Il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est que ça s'impose, quoi. Si vous regardez ce qu'il y a derrière et la qualité des musiciens, ben, parfait. Parfait. C'est assez magique dans ce cadre, c'est magique. Le son, il était génial parce qu'acoustique, c'était vraiment des petits moments inoubliables. Merci à Cosmo Jazz de nous donner l'opportunité de jouer dans un endroit comme ça. Pour moi, c'est magique, c'est magique. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. J'ai vu les photos avant, mais quand j'ai arrivé ici, je me suis dit, wow, c'est quoi? On a l'impression qu'on est plus proche de Dieu. Hein, c'est quelque chose vraiment merveilleux.
On est vraiment touchés ici. Et le public aussi, c'était très gentil. Toute l'équipe de Cosmo Jazz, tout le monde. Donc, je suis Harold Lopez Nusa Torres, je suis à Cosmo Jazz et je dis merci et à très bientôt, j'espère, ici.